J'espère que vous allez bien. Alors, là, il est à peu près, je regarde mon ordinateur, 10h. Je suis en train de travailler sur 2-3 choses. Et Warren dort juste en face, à côté. Mes beaux-parents sont en bas en train de s'occuper tranquillement. J'attends que Warren se réveille pour qu'on aille faire un petit tour. Voilà. Rien de particulier si ce n'est que j'ai une petite migraine depuis hier soir qui n'est pas encore passée, donc j'espère que ça va passer parce que c'est pas agréable du tout. Si ça passe pas, je pense que j'irai chez le docteur demander qu'on me donne quelque chose de plus fort. Voilà. Pour l'instant, je marche à l'ibuprofène et j'alterne avec le paracétamol. Sébastien, lui, donc au travail, hein, donc il termine aujourd'hui à 14h30. On l'attend et puis ensuite, je pense qu'il s'occupera de ses parents pour aller faire deux, trois, enfin un petit tour en tout cas. Voilà, c'est pas évident parce que mes beaux-parents ne peuvent pas marcher très longtemps. Ma belle-mère a un problème à sa hanche et mon beau-père a une hernie discale. Donc du coup, quand ça se réveille, c'est pas agréable. Donc du coup, au niveau des activités, j'ai pas grand-chose à proposer. Ils peuvent marcher, hein, mais faut pas que ce soit non plus sur une trop longue durée. Voilà, donc on va voir ce qu'on va faire. Moi, sinon, je suis contente. J'ai ma petite bouteille d'eau là pour lutter contre les maux de tête. Je sais pas si vous allez me voir. Alors, je suis contente parce que ma belle-mère a eu la gentillesse de me ramener mes chaussures de ski. Voilà. Donc, franchement, je suis trop contente. Et aussi celle de Sébastien, pareil. Elles sont là. En plus, c'est fait proprement. Donc ça, c'est les chaussures de ski de Sébastien. Et les miennes. Voilà. Donc nous, on est parés pour aller au ski. J'ai mon pantalon de ski, donc il n'y a pas de problème. Donc de ce côté-là, c'est cool. Mais enfin, on se débrouille bien. Oh, tu vas aller sur la voiture. Oh, attention, allez, vas-y. Attention, attention. Voilà. Oui. Alors tu vas klaxonner. Ouh, ouh, là, 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 là. Oh, le petit. Allez, tu vas pleurer tout seul. Oh, le petit, petit. Attention, pas te faire mal. Warren, il est content. Il profite de papy, mamie. Il est tout seul. Ben oui, mon chéri. Regarde. Oh là là, il y a le klaxon. Oh là 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 là. Attendez, ça va être un grand pilote. Oh là là. Ah, il a compris, hein. Il y avait un coffre. Oui, il faut mettre des petites choses dedans. Tu vois? Regarde. Attention. Tiens, regarde ce qu'on va mettre dans le coffre. Là. Attends, viens. Tiens, allez, viens. Oui, regarde, oui, j'ai vu, chérie. Attends, attends, oulala. Allez, on ouvre le coffre. Voilà, attends. Là. Il a compris, hein. Et on met tout un tas de choses dedans. Oh là 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 là. Oh, et on ferme. Oh là là. Attends. Mamie va aider. Oh là là. Au lieu que passe le tien, on retire l'autre main. Voilà. Ah, on met tout un tas de choses dedans. Oh là là. Ben oui, moi j'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai vu, tu poses tes jouets dedans, c'est bien. Regardez ça en plus. Oh là là. Bon, papy, lui, il va faire une petite sieste. Voilà, il vient de finir de manger, il se repose, il a raison. Oui. Bon, ben nous sommes en tête à tête. Il est à peu près 16h. J'attends Kéliane qui doit rentrer de l'école. Et Sébastien est rentré à 14h30 et est reparti peut-être une demi-heure après avec ses parents. Oui, papa il est parti avec papy et mamie. Oui, ma chérie. Il est parti faire 2-3 courses. Ensuite, il va récupérer Clément au foot. À 16h, donc maintenant, donc il devrait pas tarder normalement, je pense, à rentrer. Voilà, moi je me suis reposée cet après-midi, ça va un peu mieux par rapport à ma migraine de ce matin, mais je sens qu'elle est toujours latente, donc voilà, mais ça va quand même beaucoup mieux, donc j'espère que ça va continuer.
Un mot chéri. Hein, je pense que c'est la fatigue. Oui, que tu veux me dire, toi? Oui, tu veux te voir, en fait. C'est ça? Je pense que c'est la fatigue et aussi peut-être l'exposition aux écrans. Parce que depuis que j'ai ouvert... Oui, ma chérie, la chaîne YouTube, j'y suis quand même beaucoup plus sur les écrans qu'avant. Et donc, peut-être que ça joue aussi. Donc, voilà, voir un petit peu ce qu'il en est. Il est en train de goûter Warren. Je lui ai donné un petit pain au chocolat. Et là, j'avais préparé sa petite compote. Oui, mon chéri. Et donc, je vais lui donner le goûter, en fait, tranquillement. Oui, je sais que tu veux manger tout seul, doucement. Vas-y, dans la bouche. Dans la bouche. Doucement. Voilà. C'est bien. En fait, il veut tout faire tout seul, Warren. Il est un peu comme Clément quand il était petit. Il est très débrouillard pour son âge. Et il a tout fait très vite. Il a mangé... Non. Avec la cuillère. Voilà. Il a mangé très tôt. Il voulait plus manger de purée, des choses comme ça, très très tôt. Il a marché quand même, je trouve, relativement tôt aussi. Bon, un peu comme Kéliane également. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau... je crois que c'est Kéliane qui arrive, mon fils. J'y vais. Alors voilà, vous allez voir tout en direct, hein, du coup. Hello. Bonjour, maman. Ça va? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, l'école, bisous. Bon, bah c'est bien. Donc voilà, donc comme je vous ai dit... Je ne sais plus ce que je vous disais en fait. Oui, qu'il fait, enfin, il a tout fait très vite, très tôt, tout seul. Et donc voilà, et donc il ne veut pas trop se faire aider. Vous voyez que je veux lui donner à manger. Bon, de temps en temps ça passe, mais en général il faut toujours qu'il ait une cuillère dans la main pour le faire manger. Voilà. Ah mon cœur. Oui, mon chéri. Je suis en train de les espionner, ils sont là, là, ils viennent d'arriver, regardez. Oh my god. Oh la touche. Hein? Le short. Oh la touche. Tu sors, t'es sûr du sort du foot là? Pourquoi t'as pas mis tes chaussettes de foot, mon cœur? Parce que après, tu vois, ce sera trop long et ce sera en retard. Bah non, mais il faut les mettre, mon chéri. C'est fait pour ça quand tu fais du foot. Ok? Allez, enlève tes chaussures. Bon. Bon ben voilà, toute la famille arrive. Hein. Bon, ça a été les courses? Ah là là, très bien. On trouve de tout. C'était pas bon? Ou lingette de bébé. Ah bon? Ah, c'est pas le même goût. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un petit coup sous la crotte de chambre. On va pas faire le jeu, hein, Jelly Belly. Ah, là ça va. C'est pas les choses plus lentes, c'est. Ah, oui. C'est bon, ça. Bah oui. Là, tu viens passer. À Kéliane, vas-y. C'est pareil que moi. C'est bon. Ah,
Alors c'est orange, attends, orange, avec des... Alors c'est soit vomi ou pêche. Attention. Vomi. La vallée, tu penseras à moi la dernière fois. Ça y est, c'est parti pour le dîner. C'est parti pour le dîner. Tu peux. Tu vas tout manger. Mais maman, t'en as pas mangé. C'est bon. Ah, c'est la preuve. Allez, concentre-toi. Gentil, hein. Non, c'est de la triche. C'est toi qui nous as fait acheter ce jeu. Tu te rappelles? Ah, c'est que c'est bon. C'est bon. Oh là. C'est pas formidable. C'est pas. Ça va, ça peut aller. T'es bien tombé. Alors attention. Alors, vous remarquerez de super déguisements de Clément ce soir. Il s'est déguisé en mouton. Voilà. Il aime bien se déguiser de temps en temps, mon fils. Bleu. Allez. Bon, bah écoutez, nous on est en train de s'amuser avec Kellyanne. On est en train de travailler. On fait de la chimie. J'adore. Donc ça me rappelle des souvenirs, mais c'est très loin pour moi. Donc, éléments, atomes, molécules, voilà, on s'éclate. Oui. C'est bon? Oui. Que vous dire? Donc, il y a plusieurs mamans qui me demandent comment se passent les devoirs, est-ce qu'il y a des difficultés à apprendre justement les devoirs en anglais? Là, c'est le cas. Ils ont rarement des leçons en fait à apprendre en anglais, excepté tout ce qui est définition, termes bien spécifiques qu'ils doivent apprendre par cœur forcément. Et là, on a le cas donc de sa chimie. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que nous, effectivement, on a la définition en anglais. Et avec Kellyanne, je lui demande s'il est capable de m'expliquer la définition en français avant de l'apprendre en anglais. Ce qui fait que le fait de mémoriser déjà la définition en français, c'est plus facile pour lui ensuite de la réciter en anglais et de la retranscrire sur une feuille. Alors Kellyanne, qu'est-ce qu'un élément? What all substances are made of which contain only one type of atom. Ok, un atome. The smallest particle of an element that can exist. Molecule. Bon là en fait on est en train de réserver le billet pour prendre l'Eurotunnel. Donc ça va être jeudi. Vous voyez c'est facile, vous avez la possibilité de le prendre à la journée. Donc là, partir le matin, revenir quand vous voulez. Hein. Ça peut être en milieu d'après-midi ou en fin de journée. De toute façon, ils sont à peu près toutes les combien, chérie, les départs. Départ toutes les demi-heures. Voilà, il y a des départs au Eurotunnel toutes les demi-heures. Donc c'est vrai, c'est cool. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez en avance, tu te rappelles, à chaque fois, ça, c'est le cas pour nous. Oui. Ils vous proposent de prendre celui d'avant. Alors, quand c'est pas plein, c'est gratuit. En général. Non. C'est pas quand c'est pas plein. Et quand c'est plein, c'est payant, chérie. Si, si. Ah si? Oui. Parce que par exemple, si le départ, par exemple, il est à 7h20, on est d'accord qu'il faut être là-bas à 6h50. Oui. C'est-à-dire une demi-heure, le temps de passer les douanes et tout ça. C'est-à-dire que si on arrive là-bas à 6h16, parce qu'on a de l'avance, ils vont nous proposer au lieu de... Oui, mais des fois, ils vous le proposent, mais parfois c'est payant et parfois c'est gratuit, sans frais. Et quand c'est sans frais, c'est parce qu'en général, il est vide. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, ils vous proposent, moi, c'est pas très cher, hein, des fois c'est peut-être 15. Ouais, c'est à peu près, je crois, 20 pounds. Au grand maximum, hein, si vous voulez prendre celui d'avant. Donc voilà. Et nous, bien souvent, on prend celui d'avant parce que souvent, c'est gratuit, quoi. Donc sans frais, c'est cool, quoi. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt tranquille. Moi, personnellement, je crois que j'ai pas mis le nez dehors de toute la journée. Je suis pas sortie. Bah, déjà, j'étais pas très bien en début de matinée. Comme je vous ai dit, j'avais une migraine. Là, ça va beaucoup mieux, d'ailleurs. Et bon, du coup, j'en ai profité pour me reposer un peu cet après-midi. Et puis, bon, toi, t'es juste sortie. Moi, j'ai échangé. Enfin, j'ai travaillé. Jadine. Puis après, bon, j'étais avec mes parents. Puis, oui, bon, voilà. On a joué avec Warren. Puis on a surtout échangé parce qu'on prend
des nouvelles, bon, je prends des nouvelles des amis, des cousins. Ses parents, hein, ils parlent. Hein. Voilà. Donc, j'échange avec mes parents, les voisins, le voisinage, les petits. Un peu de tout. Voilà, c'est ça. Bon, bah, sur ce, demain, je ne sais pas encore ce qui est prévu. On va voir. Hein. Tout dépendra encore pareil, hein, du temps. On va voir avec tes parents. Parce que je vais peut-être les emmener demain à la jardinerie. Ils adorent ça. Donc, peut-être qu'on va aller à la jardinerie demain matin, après la sieste de Warren, en fait. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Hein, rien de particulier, je pense que... Ce sera la surprise. Je pense qu'on va vous laisser là pour ce soir. Je suis tout en train de penser que j'ai le vlog à monter encore. Et moi, je commence demain matin à 5h du matin. Donc, levé 4h. Oui, mais toi, t'es costaud, toi. Costaud, ouais. Je suis plus vraiment costaud comme à mes 20 ans. Hein. Tout le monde vieillit. En tout cas, on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, comme je vous dis tout le temps. Et surtout, vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas. Et à appuyer sur la petite cloche aussi, pour les notifications des nouvelles vidéos, etc. N'oubliez pas la petite cloche à côté. Voilà. Nous, on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. I had a speed into the